n'y a pas de limite. On est sur un plateau de théâtre. Et c'est ça qui est génial. Notre thème, c'est le renouveau. Donc le renouveau, je sais pas, pour vous balancer quelques idées, vous avez le droit de les prendre, mais ça peut être dans le couple, quelqu'un qui est au bout de quelque chose et qui a besoin de renouveau et qui va partager ça avec l'autre. Je dis ça parce qu'on est en duo, ça peut être professionnel. Du coup, on va commencer en impro à deux qui vont être assez rapides. Et je vous demande... Et vraiment, je réitère, pas de l'hystérie, mais de la dramaturgie. Créez des situations, en fait, amusez-vous et amusez-vous à vous dérouter. Là, pour le coup, vous êtes deux, donc vous n'avez pas le souci de vous dire « je vais peut-être en mettre un autre en carafe » ou alors qu'il y en a un qui n'est pas saisi une des deux choses parce qu'il se passe trop de choses sur le plateau. Et là, c'est un moment où vous allez monter plusieurs fois sur scène et vous avez la liberté, même tout à l'heure avec vos textes, si ça vous amuse de lire un texte que vous avez écrit, mais en l'interprétant d'une certaine manière, pourquoi pas, ça peut être drôle, enfin, ça peut être intéressant. Là, vous avez le droit de construire dans votre tête, d'avoir des idées le thème, sur le personnage que vous avez envie d'amener, ou les personnages. Et en revanche, vous ne pouvez pas décider entièrement et totalement de tout, puisqu'il y a l'autre qui écrit avec vous. Voilà. Comme quoi, c'est pour ça que vraiment c'est intéressant ces exercices. Je me suis dit, tiens, là, sur l'exercice de l'écriture, qu'est-ce qu'elle va faire? J'imaginais pas forcément que ça puisse, émaner une personnalité aussi grande, en fait. Et en fait, c'est super. J'ai pas envie de te dire si on est là, si on n'est pas là, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu fais une self-tape? Est-ce qu'il y a des gens vraiment à qui tu t'adresses? Pourquoi tu t'adresses? Pourquoi tu penses que c'est important de partager ça? Parce que c'est la clé. Si tu penses que c'est la clé, alors donne-le comme un cadeau. Voilà ce que je pense. Moi, je pense que c'est ça et qu'on est là pour ça et que c'est waouh. Tu vois? Bravo.